Viens, viens, tu veux? Non. Alors. Allez, c'est ça? Et là, si, attends, c'est bon. Et tu es. Merci. Et merci. Allez. Michel, il observait les résidents qui allaient s'acheter des viennoiseries à la boulangerie. C'est vrai qu'il a eu un besoin d'autonomie, de pouvoir lui-même pouvoir acheter des choses qui lui font plaisir. Michel, c'est quelqu'un qui a une particularité, qui est une personne non verbale. Alors au sein du foyer, on arrive très bien à le comprendre parce qu'on a une relation avec lui qui nous permet de savoir, de décoder ce qu'il a envie d'exprimer. Pour les commerçants, c'était complexe de le comprendre et lui de communiquer et de se faire comprendre. Et le pictogramme, ça a été un outil qui permet un petit peu un double mouvement, à la fois pour lui de communiquer son attente et son besoin au commerçant et à la fois au commerçant de comprendre. Alors, c'est un outil qu'on a nous-mêmes créé. On est allé avec lui prendre des photos des viennoiseries et ensuite à partir de ces photos-là, on a créé le pictogramme. Du coup, avec Michel, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on n'arrivait pas forcément à comprendre ce qu'il nous disait ou qu'est-ce qu'il voulait. Au fur et à mesure du temps, on a appris à le connaître et puis avec l'équipe éducative, etc., on a essayé de trouver des solutions. Et ça se passe très bien. Et depuis qu'on a mis en place ces pictogrammes, ça lui permet d'être plus serein, de se repérer et d'être moins frustré.